L'enjeu, c'est de travailler sur une signalétique à l'échelle de la rue Biesse pour redonner un peu du peps et vitaliser en quelque sorte cette rue commerçante et surtout réaffirmer une identité faubourienne. C'était super intéressant. Les trois projets avaient des idées chouettes. C'est bien qu'on donne la parole aux gens qui habitent le quartier. Quoi. Voilà. Et puis qu'on les implique aussi dans le devenir de leur quartier. Sur les projets, y en a un que j'ai retenu, c'était le dernier, la couleur jaune qui me rappelle les années 50. Le quartier a cette ambiance-là, un peu années 50, avec les vieilles pubs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. On est allé boire des coups dans la rue, on est allé écouter certaines histoires, on a lu un certain nombre de choses. Il y a un travail de recherche, de conceptualisation, et puis après la création d'une identité globale de la rue avec des couleurs, une typographie. Côté Biesse, il y avait des peintures en lettres très proches même de celles que j'ai fait là. Donc l'idée a été de les ramener en fait ici. On a utilisé une typo très droite et on a créé en fait cette fameuse ondulation qui est tout de suite en rapport en fait avec la Loire, qui va pas gêner la personne mais qui va interpeller. On n'était pas là pour arriver en tant qu'agence de com, on va faire ci, on va faire ça, vous allez voir c'est génial. On était là pour produire quelque chose que les gens allaient aimer. On a envie d'inscrire le mot Biesse, de le faire connaître autant que le hangar et que demain ce faubourg qui est au milieu de l'île de Nantes ressurgisse et soit de nouveau fréquenté. Les gens sont étonnés, les gens qui passent, il y en a qui filment, il y en a qui prennent des photos, il y en a qui regardent comme ça étonnés. Donc c'était formidable. C'est gay aussi, un peu le quartier. C'est beaucoup plus beau. Deux grands pignons quand même, hein, traités à Grande Biesse et Petite Biesse, qui pour moi soulignent énormément. On sent qu'il se passe quelque chose entre les deux, ou qu'il va se passer quelque chose entre les deux. Avant, les gens ne connaissaient pas trop, et puis là, c'est plus en vue pour tout le monde. Bravo!